Et salut à tous, c'est Axel. Ok, on est sous la pluie. C'est vraiment pas terrible. Je sais pas si vous voyez quoi que ce soit. Je sais même pas s'il n'y a pas de la pluie sur la GoPro. Enfin, c'est le bordel. Alors, ce soir, comme vous pouvez le constater, on est le soir et je me déplace vers quelque chose d'intéressant qui est une soirée Samsung, donc soirée organisée par Samsung. En fait, ils ont loué une maison dans laquelle en fait ils installent tout leur matériel Samsung, type frigo connecté, four connecté, tout plein de trucs connectés, et après on va pouvoir regarder ça. Alors je suis désolé, là ce soir il y a pas mal de vent, vous allez peut-être, voilà, là par exemple il y a une petite bourrasque, je sais pas à quel point vous entendez, j'en suis par avance désolé, c'est un peu la merde comme vous pouvez le voir. Pour information, la dernière fois le son ça allait vraiment pas dans l'événement avec mon micro Apple. Alors que je dis Apple, hein, vous savez, je vous avais parlé du fait que j'utilisais un kit main libre Apple qui marche très bien je trouve là avec le casque et tout ça. Par contre, comme micro-cravate, c'est un peu de la merde, voilà, pour parler très franchement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai un deuxième micro que j'utilise juste pour ça. Bonjour. Ah, on va faufiler là. Ça passe. Mon petit coco. Non, ça passe pas. J'ai peur. Bon, j'essaie de prendre un petit raccourci. Alors, raccourci, en fait, je connais pas du tout ce coin-là, donc de toute façon, c'est... Je me base sur ce que me raconte le GPS. La maison en question, elle est dans Montmartre. Donc c'est sûrement un très beau quartier, sauf que le problème, c'est qu'il fait un temps de chiottes. Donc ce sera pas forcément très beau. Mais c'est pas grave. Alors là, on est dans Montmartre, je pense. Et c'est super mignon. Après, le problème, si vous voulez, c'est que c'est des pavés au sol et qu'il pleut. Et bah, pavé plus pluie égale nope. Ouh, c'est mignon. Regardez, on est à Montmartre. Et là, enfin du vrai macadam. La maison rose, c'est connu, ça. C'est super beau. Mais c'est juste que je pense que vous voyez rien à cause de la pluie. C'est juste que là, les pavés, moi, ils me tuent. Hein. Ça me fait flipper ma race. Et du coup, là, on arrive à la maison en question. Je sais pas où c'est, mais je vais me poser quelque part. Et puis, on va aller voir ça ensemble. Ok. Donc c'est il y a une caméra dans la porte, c'est ça? Voilà. Ok, qui... Il y a des photos... Ah, donc c'est des photos, ok, c'est vous, voilà. Ce serait... La caméra est là. Ok. Et donc après, vous avez la possibilité de vous connecter avec votre smartphone depuis... Pour voir le contenu du frigo. Et venir voir le contenu du frigo. D'accord. Également, on va refaire vue intérieure, voilà. Donc la fonction, je crois que c'est ça, voilà, si je décide, je veux savoir ce que c'est. Ouais. Je vais sur liste des aliments. Je vais de quoi s'agit. Je peux le renseigner, c'est ça? Je renseigne ce que c'est, voilà. Je me mets une date de péremption éventuellement. Ok. Et donc après, quand je suis au supermarché, ben, je peux savoir si j'ai de la crème qui va bien. Avec la liste, c'est ça? Voilà. Ok. Et là, j'ai créé aujourd'hui la confiture. Il n'est pas encore capable d'identifier tout seul que elle est vire, c'est. La prochaine version. Ouais. D'après ce que j'ai compris, le chef de produit numétrique et tout ça le jour. D'accord. Il m'a dit la prochaine version. Pour être un peu plus, ouais, d'accord. Oui, parce que c'est vrai que si on doit tout renseigner soi-même, bon, c'est sympa, mais c'est vrai que c'est un petit boulot quand même. Hein. Oui, c'est un peu contraignant. Bon, après, on renseigne essentiellement les produits avec une date de péremption. Bien sûr, non, c'est le but. Hein. Mais déjà, on est d'accord. Le fait de pouvoir avoir une photo de l'intérieur de son frigo, même à distance, c'est quand même, ça peut être intéressant. Là, il est très rempli parce que c'est pas ouais. Mais quand c'est moins rempli, on peut bien voir. Voilà, il est mal rempli. Oui, donc c'est vrai. Donc, avec ce système, idéalement, il faut le remplir d'une certaine façon à bien voir les produits. Mais tout ce qui est derrière, ça se voit pas forcément, c'est ça? La caméra est centrale. Donc après, ah, c'est central. Donc on peut avoir aussi le congélo ou... Non, c'est pas le congélo. Ah, c'est pas un congélo, pardon. Oh, c'est vrai que c'est bien aussi quand on le voit. D'accord. Ah, donc c'est une vue compressée. C'est une vue qui donne ça, là. On n'a pas les bouteilles, non, c'est ça? On n'a pas forcément tout ce qu'il y a sur les côtés. On a ça, d'accord. Ok. Par rapport à la caméra. Ok, je comprends.
Sinon, c'est un grand frigo. C'est un grand frigo. Et alors, j'ai vu que ça faisait quoi aussi, lecteur musical, écouter la radio, la télé, regarder la télé. Envoyer des mémos à distance. Ok, ouais. Sur le frigo, ok. Sur le frigo. D'accord. Merci. Un petit nem qui est bien au crabe, au canard, qui vient de cuire dans le micro-ondes Samsung. Qui n'est pas connecté. Avec la fonction Steam Fry. Donc il permet de. On peut frire. Voilà. À l'air, c'est ça. Un petit peu dans le même principe que la friteuse. Que l'Active Fry. Voilà, Active Fry, ça cherche toujours. Donc on met une cuillère d'huile quand même. Voilà, oui, il faut mettre un peu de temps à prendre. Ah, intéressant, ça marche. C'est très simple, bien sûr. Parce que je connais bien les. Voilà, donc là j'ai mis mes nems sur mon petit. D'accord, avec une cuillère d'huile dans le plateau. En fait, j'ai mis d'accord, de l'huile sur les nems. Ok, ok, ok. Et après, j'ai fait des frites l'autre jour avec. Ouais. J'ai badigeonné mes frites, enfin mes pommes de terre crues, un petit peu d'huile dans un saladier. Ensuite, je les ai étalées sur une seule couche. Ouais. Et j'ai lancé la. Excusez-moi. C'est très simple. Hop, comme ça, j'appuie là-dessus. Donc là, vous avez différentes fonctions. Tous les modes qui sont présentés. Hein. Okay. Donc moi, j'ai choisi pour ça, comme ça ressemblait à des frozen chicken nuggets ou des drumsticks. Alors, je me suis dit, bon, ça va être ça. Donc, ça va marcher. Donc voilà, ça permet de. Je sélectionne la fonction. Je valide 200 grammes et là, je fais ça. Ok. Et son autre intérêt, c'est que la vitre, elle a, par rapport au fait que c'est quand même un micro-ondes, elle n'a pas le grillage qui permet pas trop de voir à l'intérieur. Ok, on voit bien. On voit quand même ce qui se passe et du coup, c'est pas mal. Ok. Surveiller sa cuisson. Ok, intéressant. Ça, c'est sorti, c'est déjà sur le marché ou pas? Ouais. Ok. Et c'est pas très très cher, mais je sais plus le prix. C'est pas grave. Celui-là, c'est 4500, c'est quand même un vrai budget. C'est un gros, ouais. Ça, c'est pas du tout. Après, c'est un peu plus qu'un frigo, c'est aussi un centre multimédia avec la musique, voilà. Tout ça. Il y a des enceintes, j'imagine, ouais, dessus. Oui, il y a des enceintes, on peut écouter la radio. Intéressant, là, il y a la radio qui joue. On entend la radio, là. Vous l'entendez peut-être pas. Donc, en fait, on est vraiment chez quelqu'un. Hein. Donc, il y en a partout. C'est rigolo. Qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a rien Samsung ici. Il y a un faux Galaxy Note 8. Ok. Encore un faux Note 8. Non, S8 Plus, pardon. Rigolo. Alors bon, là, je suis en train de personnaliser une photo. En attendant, concrètement, dans la maison, il n'y avait pas grand-chose. Il y a des Note 8 qui traînent. Ok, soit. Il y a... qu'est-ce qu'il y a? Il y a le frigo qui coule, micro-ondes. Il y a également le... il y a un autre truc en bas, je vais aller voir juste après. Mais sinon, il devait y avoir un aspirateur Star Wars qui était pas là, quoi. C'est quoi, Lush? Je sais pas ce que c'est. Et du coup, au final, je me retrouve à pas pouvoir voir grand-chose. Un peu dommage. Excusez-moi. Bonsoir. C'est possible d'imprimer ça? Oui. Je suis assez... pas spécialement fier, mais c'est pas si mal. Ça marche. Voilà. C'est la coupe un peu sans bordure, si vous voulez, je vous la réimprime aussi. Non, non, c'est très bien. Ça ira bien. Je vous redonne le téléphone? Non, c'est bon, vous pouvez le garder. C'est bon? Ouais. Ça marche, merci beaucoup. Hey. C'est pas beau, ça? C'est magnifique. Bon, allez, on descend. Ok, là, on arrive au passage dans la vidéo où il y avait trop de bruit ambiant. Du coup, je prends le relais au montage. J'étais en train de regarder un petit peu un téléviseur assez intéressant qui s'appelle The Frame, comme un cadre, ça veut dire un cadre, parce qu'en fait c'est une télé qui est connectée, qui est une télévision classique, Smart TV quand même, avec plein de menus, avec plein d'applications et plein de conneries, des trucs intéressants aussi, hein, mais voilà, et la couche par-dessus qui fait que ça s'appelle comme ça et que c'est un peu particulier, c'est comme vous pouvez le voir là, les contours de la télé en fait sont très fins et on peut les personnaliser avec des bandes magnétiques qu'on va poser. Donc là il y avait un simili bois, je sais pas si c'est en bois,
Peut-être, j'en sais rien d'ailleurs, et ça, du coup, ça rend bien. Et au-delà de ça, pour aller plus loin, Samsung a implémenté une fonction, un truc complet, un écosystème complet qui permet de transformer son écran en tableau qui affiche une peinture ou une photo en permanence. Quand vous êtes dans la pièce, en fait, elle détecte s'il y a du mouvement, déjà d'un, le détecteur de mouvement, et s'il n'y a pas de mouvement, au bout d'un moment, ça s'éteint, et de deux, détecteurs de luminosité ambiante, s'il est tard le soir, et à un moment, ça sert à rien d'afficher un tableau. Et donc, c'est ça le concept de ce téléviseur. Et là, vous avez toute une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir télécharger des collections entières de photos un peu sympas, d'artistes, de peinture, il y a des classiques, des moins classiques, des trucs modernes, normalement il y en a un peu pour tous. Il doit y avoir une partie, ouais, il y a une partie gratuite et vous pouvez aussi mettre vos propres photos, donc ça peut être intéressant. Et il y a aussi une partie payante où en fait, si vous souhaitez, pour 5 balles par mois, vous pouvez être abonné à tout un service où vous avez des vraiment de très très belles photos d'artistes, etc., etc., des collections complètes de peintures. Bon, c'est moi personnellement ça m'intéresse pas, mais les amateurs de ce genre de choses peut-être seront intéressés. Le rendu de l'écran dans ce mode là parce que bon, pour le reste c'est de l'OLED, si je dis pas de bêtises, ça rend bien, la définition elle est pas dégueu, ça passe pas mal. Moi je trouve que le concept est pas con. Apparemment, ça consomme pas énormément d'énergie et au-delà de ça, il y a pas de marquage qui se fait. Donc pourquoi pas. Après, voilà, c'est surtout un business model pour Samsung à mon sens parce que le concept est quand même un peu étrange. Transformer sa télévision en tableau, sachant que normalement sa télé, on la met pas au même endroit qu'un tableau sur le mur. Je trouve que c'est quand même un peu tiré par les cheveux comme concept. Mais bon, c'est vrai que le produit est joli, et vous voyez que vous l'intégrez sur un mur, là c'est fait exprès autour de différents cadres pour montrer que bah, ça peut s'intégrer dans comme si c'était un cadre, et c'est le cas. Et alors, intéressant aussi au niveau des câbles, donc là vous voyez sur la droite de la télé, il y a un petit câble qui part, en fait il y a un câble qui est lié au jus, à l'électricité, ça c'est nécessaire, apparemment on fait pas d'électricité sans fil aujourd'hui, ou j'en sais rien d'ailleurs, vous me direz, mais il y a aussi le reste qui est amené par en fait une petite fibre optique qui est amenée directement dans un boîtier que vous déportez, que vous mettez ailleurs, caché, et là par contre vous avez toute la connectivité classique, donc le concept c'est vraiment... vous faites une intégration sur votre mur qui est vraiment la plus discrète possible avec peu de câbles, et ensuite après vous allez planquer votre bousin et vous allez le connecter à droite à gauche à tout ce qu'il faut, à votre box et tout le bordel. Donc voilà, et ça c'est un téléviseur qui vaut une blinde, je crois que c'est 1002, 1004, 1007 en fonction des différentes dimensions, je vous laisserai regarder sur internet. Donc voilà, ça c'était pour la télévision The Frame de Samsung. Et puis bien sûr, hein, on a le casque VR que vous connaissez bien. Gear VR en partenariat avec Oculus. On a déjà testé. Oh, la VR cover là, ça en plus, ça, c'est une sorte de truc sympa, un peu mou. Donc voilà, c'est à peu près tout. J'espère que ça vous aura plu. On a fait le tour de pas mal de petites choses. On va aller un petit peu par là pour terminer la vidéo. Sympa. Voilà, un joli sapin de Noël pour terminer cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Petit endroit, une petite soirée organisée par Samsung. Il y avait pas assez de choses quand même, je pense, mais. C'était pas inintéressant non plus. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao. Come